Chicas,
On est un autre jour depuis que j'ai filmé avec le caméscope de mes parents. Genre 4 jours après, j'ai filmé mercredi. Enfin, de toute manière, la vidéo sera en décalé, mais j'ai filmé mercredi 14 juillet. Et là, la suite, c'est le dimanche 18. Je voulais juste faire un petit catch-up with me. En mode comment va la vie, la routine, tout ça. En vérité, pour l'instant, ça va. Je dois dire que fin juin, j'étais un peu là en mode j'en ai marre. Mais là, ça va. J'ai encore 2 semaines d'alternance. Et puis, je serai en vacances pendant un mois. Les plans pour mes vacances ont été beaucoup de fois changés. À la base je voulais partir en Corée, mais la Corée n'ouvre toujours pas ses frontières pour les touristes, donc je ne pourrais pas y aller. J'avais comme plan B de peut-être faire Taïwan, mais Taïwan c'est un peu le même principe. Je vais les rappeler lundi, mais à mon avis voilà, je m'attends pas à grand chose. Et du coup c'est soit je vais à Barcelone, soit je vais en Italie. Ce qui serait plus intelligent pour moi, ce serait de partir en Italie, parce que comme ça, ça me permettrait de bosser, pratiquer mon italien. Parce que bon, Barcelone, bah, je parle déjà espagnol, donc voilà. Et j'aimerais bien, oui, du coup, partir toute seule. Ou enfin, si une de mes amies veut se joindre à moi, elle peut. Mais ce serait plus ouais, dans l'optique de partir toute seule, un peu plus loin que la France. Enfin là, tout de suite, je suis à Waterloo. Mais Lille, c'est à 35 minutes, donc quoi qu'il arrive, je peux toujours faire un aller-retour, machin, etc. C'est 35 minutes de train, c'est 9 euros, c'est pas très cher. Tout est relatif, mais c'est moins cher que si je veux aller à Anvers de chez moi, en fait. mais voilà, du coup je me suis dit que j'aimerais bien faire genre 2 semaines à 1 mois ailleurs. Enfin là-bas si c'est Corée ou Taïwan c'était d'office 1 mois, mais genre un peu toute seule parce que... Ou avec une seule personne quoi. Parce que en Corée on était parti à 7, donc ça fait plus de gens etc. Pour voir un peu si moi aussi j'aime débrouiller toute seule. En fait c'est inspiré de Moya, c'est une youtubeuse... Je crois que si je me trompe pas, elle vient d'Irlande du Nord. Elle vient d'Irlande du Nord et je crois qu'elle est indonésienne. Je suis pas sûre, je crois que c'est ça sa nationalité. Je l'ai découvert l'année passée pendant le Covid et c'est une de mes youtubeuses préférées maintenant. Je regarde toutes ses vidéos, j'adore ce qu'elle fait. Et en fait, elle a graduated en fin mai, juin, je crois. Elle étudie à Dublin, donc je crois que ça, on termine plus tôt. Et du coup genre elle est partie à Londres pendant 2 mois toute seule. Elle a dit ouais c'est pas loin, mais en même temps genre je découvre une autre ville et je veux voir comment ça se passe et tout. Et du coup bah ce voyage cette année c'était surtout inspiré par ça. Et voilà, c'est ce que je me dis. Je me dis que je penche un peu plus pour l'Italie. Je pencherai pour les villes de Milan et de Rome, mais je crois que je vais rester sur Milan. J'aime beaucoup Milan. Donc voilà les plans pour cet été qui ont été bougés plusieurs fois, mais bon ce sera pas pire que l'année passée. Niveau école, bah, j'ai terminé mon dernier partiel vendredi 16, il était horrible. On avait 4 heures de partiel, on a tous fini, on avait de 14h à 18h, normalement je termine genre au bout de 3h je termine mes partiels, c'est la moyenne que j'ai eu pour mes 3 autres partiels. Et là, oh my god, à 18h j'ai envoyé mon fichier, je l'ai envoyé à 18h pile. On l'a tous envoyé vers 18h, on était tous en stress, on a tous fini, on a fait... Mais au moins voilà, l'année scolaire elle est finie, on reprend le 13 septembre. Donc du coup là j'ai 2 semaines d'alternance et puis j'ai mes vacances. Et puis je reprendrai quand je reprends je crois le 29 août ou un truc comme ça. Et puis le 13 septembre je reprends ma semaine, je reprends les cours. Donc ouais voilà pour l'école, c'est une année qui se termine, une année qui est plus longue que c'est ce que j'ai l'habitude, juillet. Mais voilà ça se termine, j'espère que j'aurai pas de rattrapage, knock on wood. Mais j'ai l'impression que l'année s'est bien passée, j'ai appris plein de nouvelles choses, j'ai pu faire pas mal de projets, de travaux etc. Donc ça c'était grave cool, j'ai pu me faire plein de nouveaux amis. Et voilà, et puis du coup vendredi on est parti au karaoké. C'était grave cool, c'est pour ça que j'ai un peu la voix. Mais ouais, c'était grave fun.
Et voilà, par rapport à l'alternance, bah, j'ai encore 2 semaines de travail. Je crois que je devrais bosser sur un compte rendu que j'ai. Enfin, j'ai eu un event. Et en fait, j'ai eu l'event et puis j'ai eu la semaine de restitution de cet event pour les gens qui ont participé. Et j'ai pas encore fait le compte rendu pour mes tuteurs. Je reprends pour 2 semaines. Je crois que je suis à 3 jours en... Je crois qu'en France maintenant c'est ça, c'est 3 jours en présentiel et 2 jours en distance. Donc à mon avis, vu que mon papa est parti au Pérou, je vais faire 3 jours en France, 2 jours en Belgique, enfin 3 jours, 4 jours, du coup vu que c'est le reste de ma semaine. Mais sinon voilà. Voilà pour le petit catch-up, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas fait un sit-down with me, on parle, etc. Ouais, j'avais plus fait de vlog depuis longtemps aussi, donc voilà un petit horizon. Sinon, niveau recommandation du mois, je vous recommande de lire Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622. Il est trop bien. Je l'ai laissé à Lille parce que Adèle veut le lire, du coup bah, je vais lui prêter. Enfin, je dis Joël Dicker, L'énigme de la chambre 622, c'est le plus récent qui est sorti, mais vous pouvez lire tous les Joël Dicker. Je les ai tous lus sauf le tout premier qu'il a sorti. Je crois que c'est un truc avec nos pères. L'histoire de nos pères, je sais pas, celui-là je l'ai pas lu, mais sinon tout le reste, la disparition de Stéphanie Meyer, la vérité sur la Ferrari Guébert, le livre des Baltimore et du coup l'énigme de la chambre 622, je les ai lus. Il y en a 3, je les ai lus en 2 semaines et demie, donc allez-y, c'est trop bien. Je recommande comme musique Bubblegum de Alex Porat et l'album Lately I Feel Everything de Willow Smith. Je l'aime. Niveau K-pop, Ready to Love, Your Choice 17. Niveau série, pour l'instant je regarde rien de neuf. Le dernier K-drama que j'ai regardé qui était trop bien, je l'ai défilé, c'était So Not Worth It sur Netflix. Il est trop bien, il y a 12 épisodes, les épisodes durent 35 minutes, c'est grave cool, donc je recommande. Niveau animé, je suis en train de finir Jujutsu Kaisen, donc je vous recommande. My Hero tous les samedis encore maintenant. Tokyo Revengers aussi tous les samedis. Et je regarde toujours Inuyasha, le sang. Sinon, ouais, voilà, pour l'instant, c'est toutes les recommandations que je peux vous donner. Et sinon, ouais, voilà, bah, j'espère que cette petite vidéo, ce petit format caméscope vous aura plu, de un peu qu'est-ce que je fais quand j'ai des journées de libre, quand j'ai envie d'avoir des journées unwind, relax, c'est ce que je fais. Et comme j'avais trouvé le vieux caméscope de mes parents, bah, j'ai décidé de filmer avec. Et du coup voilà, c'était mon petit catch-up. Si vous voulez me dire comment vous vous sentez, bah, laissez des commentaires derrière. Mais sinon voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et on se voit dans la prochaine vidéo. Bye.